Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Depuis la semaine dernière, je crois que je vous en ai fait une. Voilà. Aujourd'hui, elle ne va pas être très longue. Je vais juste vous montrer deux modèles que j'ai fait pour le salon de Carvin. Voilà, donc comme ça, celles qui vont venir me voir à Carvin, un petit peu à la fois, voient les modèles de boîtes que j'aurai sur le stand. Donc, tout de suite, la première que je vais vous montrer, c'est une boîte que vous connaissez déjà, puisque vous connaissez le tuto. Et c'est le tuto que vous aurez, que je vais refaire également cette semaine, puisque le tuto avait été fait en live, donc c'était un peu compliqué. Donc, il va être fait en tuto dans la série des vidéos pour débutantes en cartonnage, voilà. Et le deuxième, c'est une boîte un peu spéciale. Donc, ne me demandez pas le tuto parce que je ne le ferai pas. Voilà. Puisque cette boîte est dans ma boutique, elle sera sur le salon. Et donc, comme c'est une boîte que je mets en vente, vous comprendrez bien que je ne ferai pas le tuto. Voilà. Donc, comme ça, c'est clair, net et précis. Donc, vous n'aurez pas le tuto de la deuxième boîte. Voilà. Je suis une vilaine, je sais. Je suis une vilaine. Donc, la première. Donc, c'est la boîte livre que vous connaissez par cœur. Mais, voilà, avec des cocottes. Voilà. Alors, le tissu que j'ai utilisé pour faire cette boîte vient de la boutique Pic & Patch, que vous commencez à connaître, puisque j'en parle de plus en plus souvent. C'est la boutique de mon amie Sylvie. Donc, vous pouvez retrouver sur Facebook. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, qui a de superbes tissus. J'adore ces tissus. Elle trouve toujours des tissus magnifiques que je ne vois pas ailleurs. D'ailleurs, celui-là, je n'ai pas encore vu ailleurs. Et j'avais flashé dessus. J'avais flashé dessus la première fois que j'ai vu Sylvie lors d'un salon à Mons-en-Barœul. Et je le trouvais super beau et très rigolo. Donc, comme je vous dis, je vous remets en lien, en barre d'infos le lien de sa boutique. N'hésitez pas à aller la voir. Et donc Sylvie sera avec moi, sera sur le stand à côté de moi au salon de Carvin. Donc on a décidé d'être toutes les deux ensemble au salon de Carvin. Donc moi j'y serai avec mes boîtes et elle sera au salon de Carvin avec ses tissus. Voilà. Donc comme ça vous pourrez, celles qui viendront me voir pourront rencontrer également Sylvie avec tous ses tissus. Et donc, nous serons l'une à côté de l'autre. Donc, vous ne pourrez pas la rater. Voilà. Donc, voilà la boîte livre que j'ai faite. Là, j'ai fait pour changer une petite fermeture. Comme je n'ai pas fait l'habitude, vous savez, je fais souvent des fermetures avec des aimants. Et là, non. J'ai fait avec un... Vous voyez, c'est un élastique. Et donc, j'ai mis un brad en forme de cœur. Donc, ça fait comme un... Oui, hop, c'est un petit bouton. Hop, alors, voilà. Et que l'on enfile, c'est avec une boutonnière, tout simplement. Hop. Et voilà, l'intérieur de la boîte avec les cocottes. J'ai fait un petit rappel de cocotte à l'intérieur. Voilà, juste pour rigoler. Donc, le tissu jaune vient aussi de sa boutique. Derrière, comme d'habitude, mes petits coins en métal pour pas que la boîte s'abîme sur la durée. Donc voilà, ça c'est la première boîte, une des boîtes qu'on pourra trouver donc sur le salon. Il y a celle-ci, mais que je vous ai déjà montré. Je vais la remontrer si vous voulez pour celle qui ne l'aurait pas encore vue. Alors celle-ci, je vais lui faire un. Je vais lui faire une petite modification, enfin pas une modification, je vais faire un rajout. Je vais lui rajouter
un ruban pompon là au-dessus parce que j'aimais pas trop le dessus, donc là je vais lui rajouter un ruban pompon. Et ça, c'était donc la petite commode pour ranger ses rubans, ses dentelles. Voyez. Donc, que l'on fait passer ici. Et donc, avec le petit tiroir... Attendez, je la pose parce que là, vu comment je me suis mise, ça va pas bien. Hop, voilà. À l'envers et avec une main, c'est pas facile. Voyez. Donc ça, ce sera sur le stand également. Voilà, donc pas de tuto. Après, il y aura les petits chaussons pique-aiguille. Mais ça, je vous les avais déjà montrés. Hein. Il y en aura plusieurs, il y en aura d'autres. Voilà, je vous en montre certains. Voilà, les petits chaussons pique-aiguille. Voyez. Et la dernière boîte que j'ai fait pour l'instant, enfin il y en a une autre, une très très grande, une boîte brodeuse XXL, mais je n'ai pas encore fini. Donc celle-là, vous l'aviez déjà vue aussi avec le couvercle brodé, mais elle n'est pas terminée. C'est l'intérieur qui n'est pas terminé, donc je vous la montrerai une fois terminée. Et voilà, la dernière boîte finie. Alors pareil, le tissu vient de chez Sylvie, hein, de la boutique Pic et Patch. Donc tous les tissus. L'extérieur, celui-ci, le tissu intérieur, tous les tissus viennent de sa boutique. Donc là, on va avoir un grand tiroir, voyez. Alors ça, c'est une boîte que vous allez mettre à côté de votre machine à coudre. Et je vous montre pourquoi. Donc là, on a un petit tiroir pour y mettre les petites aiguilles, pour y mettre le dé à coudre si on veut, mettre ce qu'on veut. Et voilà pourquoi on va mettre cette boîte, enfin cette mini commode, on va dire, à côté de la machine à coudre. Voilà. Parce que ici, dans deux tiroirs, vous avez des rangements pour les canettes. Voilà, rangements pour les canettes de machine à coudre. Donc, ils sont le support est déjà dedans, un support en plastique. Hein. Et donc, vous en avez deux. Voilà. Donc vous avez deux supports, deux tiroirs avec des supports de canettes pour la machine à coudre. Donc voilà, ça c'est une boîte qui va aller à côté de la machine à coudre. Donc il y a le tissu là, là, le tissu intérieur, ici vous voyez le marron. Voilà, tous ces tissus là viennent de la boutique Pic et Patch. Voilà. Donc, et avec les petites poignées, hein, comme d'habitude. Et là, je vous remontre donc le tiroir pour y ranger toutes les petites canettes. Donc, les canettes, vous allez pouvoir en mettre, je n'ai pas compté, 5, 10, 15, 20, 25. Donc, vous allez pouvoir ranger dans cette petite commode 50 canettes pour la machine. Voilà. Vous allez pouvoir mettre 50 canettes. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis là, vous allez pouvoir y mettre vos bobines. Les bobines de fil, toutes les choses. C'est vrai que quand, voilà, à l'envers, ça va, c'est pas facile. Donc, voilà. Et donc, là, je suis en train de faire une commode. Donc là, c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire la vidéo en attendant. Elle est en train de sécher. Je suis en train de refaire une commode qu'on m'a commandée. Et je vais refaire donc, parce que là j'ai pas assez de boîtes encore pour faire le salon, donc il faut que je me dépêche, hein. Il reste quoi, 1 mois et 10 jours aujourd'hui, puisque c'est le 19 octobre, donc je vous rappelle c'est à Carvin, c'est le salon du loisir créatif et du scrapbooking, donc il me reste plus que 1 mois et 10 jours pour bosser, mais ça va aller, hein. J'y arriverai. Donc, je voudrais faire une commode aussi pour le salon. Et donc, là, j'ai encore d'autres petites idées à faire pour le salon. Et je vais faire encore, refaire encore des boîtes livres parce que ça, je sais que ça plaît. Puis après, je vais voir. Voilà, donc la petite commode pour la machine à coudre, les boîtes livres,
Je vais faire une commode. Bon, ça, il y en aura qu'un, bien sûr. Et en sachant que sur le salon de Carvin, bien sûr, vous pourrez me passer commande. Hein, s'il y a des choses que vous voyez pas sur le salon qui vous plaisent tout de suite, parce que, ou le tissu qui ne vous plaît pas, vous pourrez me passer commande. Et en ayant Sylvie sur le stand, juste à côté de moi, ce que l'on va pouvoir faire. Alors, là, j'en ai pas encore parlé à Sylvie. Du coup, là, je m'avance déjà, mais je sais qu'elle sera tout à fait d'accord, bien au contraire. En ayant Sylvie juste à côté de mon stand, vous allez pouvoir me passer commande d'une boîte, hein, d'un modèle, et choisir directement votre tissu chez Sylvie. Voilà, vous allez pouvoir choisir votre tissu chez Sylvie. Me passer commande d'un modèle de boîte, d'une commode machine à coudre, d'une boîte livre, pardon, n'importe quoi. Et du coup, vous pourrez choisir votre tissu en direct sur le stand de Sylvie. Voilà. Donc, bien sûr, vous ne paierez pas votre tissu tout de suite à Sylvie. C'est moi qui vais commander le tissu à Sylvie. Mais. Vous pourrez le choisir tout de suite chez Sylvie et me passer la commande chez moi. Voilà. Donc, quand vous me passerez commande chez moi sur mon stand, bien sûr, il faudra savoir que vous allez, en passant commande, vous allez me payer un acompte, ce qui est tout à fait normal. L'acompte sera comme sur ma boutique et sur Facebook. Je demanderai un acompte de 50% sur le stand. Mais bon, tout ça, les petits détails, je vous les donnerai sur le stand. Voilà. Donc, ça, ce sera au moins, ce sera un petit plus. Vous pourrez voir le tissu en direct et choisir vraiment celui qui vous plaît. Voilà. Sinon, ben voilà. Et je pensais que ça, c'était une super idée en ayant Sylvie à côté de moi avec ses tissus et moi. Avec mes boîtes, on pouvait smasher les deux et vous pourrez choisir vraiment à votre goût. Voilà. Donc ça, ce sera pour celles qui pourront venir sur Carvin directement. Mais sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Je vais me remettre à ma commode. Voilà, là, donc c'est une commode comme d'habitude. Hein. Là, elle est sur mesure, puisque là, on m'a demandé de la faire plus large. J'ai un tiroir en plus, comme d'habitude. Et là, alors j'ai 6 tiroirs et je dois en faire 3 avec des séparations. Voilà. Donc, mais comme d'habitude, vous la verrez une fois terminée. Je vous montrerai tout en détail, comme d'habitude. Donc là, elle est dans les tons roses. Je vous ai montré les tissus, je crois, sur la dernière vidéo. Et je vous referai une vidéo une fois terminée. Voilà. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. À deux, trois. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous. À bientôt.